Hey, que mes petits que, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Eddie Challenge. Pourquoi on est en pause? Pourquoi on voit le petit Godefroy? Parce que le petit Godefroy va grandir! Et oui, il descend de son petit tabouret! Et attention! Le voilà en enfant! Oh, il est choupi! Toujours la bouille un peu bizarre hein, quand les enfants grandissent. Godefroy a vieilli. Il sera donc, on va mettre une allez, faculté sociale. Et il sera en trait de caractère. 1, 2, 3. Oh putain, malveillant. Ok. Ben voilà. Je suis désolée pour toi, mon petit, mais t'es déjà mal barré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire bien sûr la peinture. Et arrête de te plaindre que ça pue, parce que toi aussi, tu puais il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez-moi cette bouille! Oh, il ressemble tellement à son père, en fait, je suis en train de me dire. Voilà le relooking de Godefroy, les cheveux un petit peu longs. Bah voilà, hein, les yeux un peu carquillés quand même. On verra bien, bien quand il sera adolescent, c'est le seul mâle de la famille. En tout cas, pour l'instant, il est mignon. Et ce sont les tout premiers macaronis au fromage de Eulalie. Bon, on a une journée de coupure d'eau, enfin de 12 heures de coupure d'eau, mais apparemment on peut quand même laver les gosses, donc ce sera bien. Alors Eulalie, ils sont excellents les macaronis! Eh ben dis donc, mais c'est un vrai petit cordon bleu cette jeune fille! Elle est bonne à marier. Bon, petit Godefroy, il est tristoun hein, de ne pas avoir eu son petit gâtal d'anniversaire. Eh oui, c'est la vie! C'est pour ça qu'il tourne d'ailleurs malveillant, peut-être. Allez, on va tous chercher de l'eau. Parce qu'en plus, c'est la journée sans eau, donc voilà. Bon, bah, toi, vous allez retourner à la maison après, hein. Au moins, vous aurez servi à quelque chose. Ah! Il y a comme qui dirait promiscuité, mais il y a un mur qui sépare. Donc, Amédée, il ne voit pas sa fille à poil dans son bain, et elle ne voit pas, c'est le geki de son papa quand il chie. Donc, tout va bien. Mais que vois-je? Une petite fille bourgeoise, enfant. Vous allez tout de suite venir vous présenter, hein? Voilà. Ça pourrait être sympa. Elle est comment? Blonde? Yeux verts? Ah bah oui, elle a l'air choupette en même temps. En enfant, on voit pas trop, mais on peut avoir une idée. En tout cas, les enfants, vous allez venir dire bonjour à cette demoiselle. On sait pas, elle peut avoir un frère, tout ça, quoi. Enfin, c'est vu qu'on n'a qu'un seul garçon. C'est merveilleux parce qu'elle est aussi triste que notre fils. Séraphine Baradelle. Séraphine, c'est joli ça. On s'occupe aussi évidemment des abeilles. Tu vas pas te faire piquer, non. Tu vas juste récolter le miel, ce sera déjà bien, bien, bien. On commence à en avoir pas mal hein, sur nous. Hein. À 18. On a régressé un peu. Il y en a à 35, il y en a à 18. Il y a un peu pour tous les prix. Oh merde, c'est un seigneur. Oh, c'est dommage. Viens, viens, viens te présenter. Je sais pas, au cas où. Un beau petit roux. Bon, il est trop haut placé pour nous, mais on sait jamais. Hein, bon, voilà. Et regardez qui est là. C'est Géro, c'est le mari de Hildegarde. Ah, ça fait. Ah, bah justement, tiens. Elle allait venir lui dire bonjour. C'est marrant. C'est marrant. Comment t'as su, hein? Et c'est qui cette demoiselle blonde là? Ah! Elle est pas mal du tout. Et ici nous avons. Oh non, 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 non. Elle est. Oh là 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 là. Ouais, mais elles sont déjà adolescentes. Drôle de position pour parler aux gens, Eulali, mais pourquoi pas? Tiens, elle est en train de prendre des notes. On va se prendre des sales trucs là. Je le sens bien. Ouais, bah en tout cas, ça en fait du monde à la maison et ça en fait du monde qui bouffe nos pâtes. Hein? Franchement, j'avais pas prévu ça, moi. En ce temps-là, on a Adélie qui a un petit problème de jupe, d'ailleurs. Qui va manger un peu quelques raisins et qui va aller se coucher. Ah, bah maman vient la voir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu lui veux, ta gosse? Tu la regardes? Ben, va la coucher un petit peu. Va lui lire une histoire pour qu'elle dorme. La petite biche. Voilà, c'est très bien. Au lit. Oui. Après un court aménagement de l'espace, j'ai ramené le tabouret ici, sinon elle pouvait pas lui lire d'histoire. J'ai vendu le berceau qui avait été doublé. Donc j'ai gagné 300 simflouz. Voilà, bon, bah, c'est le jeu. Hein. Eulalie qui cherche dans les poubelles devant le jeune homme. Bon, bah écoutez, on fera ce qu'on peut. Hein. C'est surtout pour qu'on récupère des morceaux
Parce qu'on n'avait plus rien pour faire les boujax, donc il faut qu'on fasse les poubelles, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Il se met à faire des macaronis. Mais what? Bah non. Ouais, mais après, on perd des sous. Allez, non, allez, gameplay, tu t'arrêtes tout de suite à m'aider. C'est pas à toi de faire les macaronis, quoi. Et puis, il en restait, hein, dit. Mais en plus, il continue de le faire, c'est idiot. Ah! Oups, bah là, pour le coup, Frénégonde a vraiment vu... Mais viens là, idiote! Elle a vraiment vu son frère dans la baignoire, quoi. Oh là là! En fait, je sais pas pourquoi il passe par comme ça. Alors forcément, ils vont se voir, quoi. C'est un peu débile. Enfin bref, tu vas aller aux toilettes quand même, hein. Tant pis, hein, ma cocotte, tu dois y aller, tu dois y aller. Eh ben non, elle est encore choquée. Mais tu vas me le faire combien de fois? Mais il est là, le chien! Pourquoi tu passes de l'autre côté? Mais qu'elle est bête aussi, celle-ci! Oh! La blague du jour, c'est que les plans de poubelle dont j'arrive pas à m'enlever... En fait, c'est des tas de déchets que j'ai coincés dans l'inventaire, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et ben, dans le monde de construction, on peut les vendre, donc ben... Voilà, quoi! J'ai récupéré 15 simflouz, on va pas cracher dessus. À peine 7h, ils sont matinaux, les petits auberts. Ah, je pense que nous avons un petit problème de lessive, c'est pas grave. Oh, niveau social, 10 pour Frénégonde, c'est une très bonne nouvelle. Bon, bah toi, t'es en train de t'amuser avec les abeilles. Tu vas ajouter une fleur dans l'eau. Ah, s'il y a mufflier, tu en as quelques-uns. Et tu vas me faire la lessive. Il n'y a rien de pire que quand on vient de laver une gamine dans la baignoire, qu'elle se rechit dessus automatiquement, franchement. Elle est toujours autant fortiche à la lessive à la main, hein, parce que là, vu la gueule de la flotte qu'il y a partout, mais bon, hein, elle apprend. Mais non, le truc, il a cassé. Genre, oh non, ça me tue. Bah, tu viendras réparer, hein. On a à peine étendu le linge que ça a pété, mais what the fuck? Oh là là, j'ai laissé la dernière sans surveillance. Bah voilà, elle me repeint le sol. Saleté! Ma pauvre Lali, elle se fait chier comme pas deux et en plus elle pue la mort, donc un petit bain de mousse, ça lui fera pas de mal. Vas-y ma cocotte, va te détendre. Bon, pendant que Frénégonde, elle est en train de créer une bougie. Ma petite Radie, tu vas enseigner à ton fils les principes de s'il vous plaît, merci, comme tu as déjà fait à tes filles. Et pardon, pour que les manières soient au top. Frénégonde a fait sa première bougie. Qui vaut 25 simflouz, comme d'habitude, je la donne à Amédée, puisqu'il va aller essayer de la vendre au marché. Bon, au moins l'hygiène, ça va mieux. Par contre, le divertissement, c'est toujours pas ça. Ma pauvre Lali, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te faire faire? Bon, bah, elle nous refait une autre bougie, hein. Ça la divertit absolument pas, mais au moins, on va aller au marché, je pense, ben, demain, vu qu'on sera vendredi, ce sera pas mal, parce que, comme ça, on pourra réinvestir l'argent gagné la journée du samedi, avant de tout vendre nos productions le dimanche, quoi. Donc, je pense que c'est pas mal. Le vendredi est un bon jour, je pense. Bon, ça va, il y a une bonne ambiance ici, avec les trois plus grands, là. Ça rigole, ça discute. J'essaie de faire en sorte que, en fait, ils fassent rire leur grande sœur parce qu'elle en a besoin. Parce que là, voilà, la pauvre s'ennuie. Mais bon, ça remonte un petit peu quand même, hein. Oh, Tancred, qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est pas des heures à passer chez les gens, 22h, hein, c'est un peu tard, hein. Mais qu'est-ce que t'as, toi, pour... Non, alors déjà, tu me nettoies. Non, ça a pas eu le temps de prendre. Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là, je pense que c'est peut-être notre fils qui a fait des conneries, hein? Je sais pas, en tout cas ça ne passe pas bien. Allez, une dernière petite bougie pour Radie, vu qu'on va aller au marché demain. Ça promet être une belle journée, en tout cas je l'espère. Ah, ce qui est sûr, c'est que quand ils dorment, ben, je suis tranquille, quoi. Mais ils sont matinaux tous ces gosses! Eh, on peut toujours pas, quoi. Faut vraiment trouver à t'occuper, je sais pas. Alors oui, on m'a dit dans les commentaires, pourquoi tu leur achètes pas le jeu de trucs qui est autorisé, hein, mais c'est que ça a un certain coût. Et tant que je suis un peu ric-rac au niveau des finances, là ça va beaucoup mieux. Parce que je peux investir dans les baignoires et tout, mais bon, un jour, oui, j'aurai de quoi leur offrir tout ça. Pour l'instant, c'est un petit peu tendax, quoi.
Du coup, Godefroy, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa bougie aussi pour contribuer. Chacun aura contribué à la vente du marché aujourd'hui. Bon, sauf la petite dernière, évidemment. Et hop! Encore des macaronis au fromage, made by Eulalie. Eh ben voilà, lui faire regarder les nuages, par exemple. Ça peut l'occuper. Bon, bah, Médée, je crois qu'il est temps. On va aller au marché. D'ailleurs, je vais peut-être prendre. Non, pas Radgonde, qu'est-ce que je fabrique? On va peut-être prendre avec nous la petite Eulalie. Comme ça, elle va découvrir la life avec toi. Go le marché! Regardez-moi comme elle est belle, cette table de marché! Alors, on a plus de place d'ailleurs. C'est complètement complet. Et maintenant, on va augmenter les prix 50%. Voilà. Oh, Cunégonde! Coucou! Elle va vendre des trucs? Bah oui! Ah bah madame, elle s'est mise dans le jus! Bah voyons. Alors, 592 au départ, j'ai déjà du monde qui regarde. Allez-y, messieurs, dames, hein, n'hésitez pas à. Eh bien, à acheter! C'est fait main, c'est fait avec amour. Et bah voilà, 52 simflouzes! Voilà! Merci, monsieur! Oui! Puis il a pris à 30 simflouzes, c'est une sculpture. Ça, c'est trop cool. Du coup, j'en remets parce que. Bah voilà, on va combler les trous, hein. C'est aussi pour ça que j'ai pris avec moi Eulalie. C'est parce qu'en fait, il y a ça et elle peut s'amuser. Et peut-être que si on vend bien et qu'avec les productions dimanche, on aura assez de thunes pour en acheter un et en mettre un sur notre propriété de ce jeu-là, du fer à cheval. On va commencer un vide-grenier parce qu'en fait, il peut pas faire d'argumentaire de vente. Voilà, c'est ça que je voulais faire, l'argumentaire de vente. Allez, madame, vous avez devant vous un excellent terroir, produit du terroir. Travaillez le bois à la main, travaillez les bougies avec les fesses. Voilà, et le miel a été fait, madame, si vous saviez, avec les plus fines abeilles du monde. En tout cas, elle nous a pris une petite broujac, ça, c'est cool. Ah bah d'accord! Il y a même des fantômes qui sortent de leur tombe pour venir acheter des trucs. Oh là là, la concurrence déloyale! Des vraies bougies toutes colorées et tout. Non, c'est pas cool. Bon, j'avoue, notre stand, c'est le moins coloré des autres, quoi. Hein? Ça se voit un petit peu. Ouais, mais nous, c'est vraiment fait à la main, quoi. On a galéré toute la semaine, on a travaillé pour pouvoir avoir tout ça à vous proposer. Allez monsieur, viens d'acheter, viens des, c'est du bon miel pour le matin, pour votre petite gorge, ça fait plaisir ça. Allez, on achète, on vide ses bourses, en tout cas celles que vous avez dans les poches. Hein. Oui, 27, ça devait être 27, 27, 27, je ne sais pas, ça doit être un petit pot de miel qui était mince, c'est-à-dire que j'ai mis ceux à 18 et pas ceux à 35, ça craint. Ça va, tu tiens le coup, ma petite? T'as l'air tendax parce qu'elle est solitaire. Oh, quel beau jeune homme. Quel très beau jeune homme. Oh là là, il t'invite à aller dans les buissons. Fais gaffe à toi, ma belle. Tiens, il y a la femme de Tancredou qui est là. Fais-lui un petit argumentaire de vente, là. Iseux. Ça pourrait être bien. Viens, ils reviennent. Hein. Ah ouais, hein. Ils ont dit non, finalement, des fois, il y a des têtes du rabais. Si je reviens plusieurs fois, ça pourrait être pas mal. Waouh! Deux ventes d'un coup! Incroyable! Ça fait du bien. Merci, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Même Géraud, il a pris une bougie! Bonjour, monsieur! Mais venez, n'ayez pas peur! Voilà, je sens que vous avez de l'argent. Voilà, ça c'est bon, ça! 52 simflouzes, un petit pot de miel. Oh là là! Mais ça n'arrête plus, Iseux, tout ça! Mon Dieu, quel bonheur! Oui, encore 52! Oh là là, mon Dieu, je vais tout vendre, hein! Enfin, j'en suis encore loin parce que bon. Oh la vache. Vous savez que là, on a presque doublé ce qu'on était. On est venu avec presque 600 simflouzes. On arrive presque à 1200. On a presque doublé déjà notre porte-monnaie. En tout cas, c'est encore une meilleure vente que la semaine dernière. Donc, c'est vraiment nickel, quoi. Moi, je suis en train de kiffer là. J'adore le marché. Ouais, en tout cas, notre stand, celui qui amène couleur, en tout cas, c'est celui-là où il y a le plus de monde devant, hein. Na, et voilà, et moi je vends. Na, c'est comme ça. Non, mais regardez, il reste plus rien, ils sont tous en train d'acheter des trucs. Mais c'est trop cool. Je peux pas tout vous mettre parce que ça ferait beaucoup, mais on est en train de se faire dévaliser, quoi. C'est génial, j'adore. Ils sont en train de dévaliser notre stand, regardez-moi ça. J'adore, bon sang. C'est trop cool! Mais il va faire des
des argumentaires de vente, hein. S'il peut encore vendre des trucs aux gens, moi, je suis pas contre, hein. Mais j'ai plus rien. Enfin, si, il me reste encore un peu de miel, quoi. Mais c'est pas celui qui va le plus rapporter. Écoutez, je vais remettre du miel, moi, hein, parce que s'ils viennent acheter tout mon miel, il y a aucun problème, hein. On est en train de tout vendre le stock. J'en peux plus. Allez, dernier vide grenier. Là, on va essayer de tout miser pour qu'il vide toute notre table. Ce serait vraiment énorme. C'est incroyable, regardez ce qui nous reste. Sachant que j'ai plus rien à mettre sur la table. Oh, Tancred ! Oh, Tancred, oh, bah oui, venez acheter. Ah, bah y a aussi la sœur d'Amédée qui est là. Ouf, non, mais c'est incroyable tout ce qu'on vend. C'est incroyable. Ah, j'avais pas vu l'heure. Il est samedi passé. Donc, on va arrêter de vendre. Ouh là là, bah, y en a, ils sont vénères. Hein. Oh, papa, on arrête de vendre. On range les objets et puis on va rentrer. On voit que Lali est en train de dormir dans le buisson. Oh, bah. Elle est jeune encore, hein. Il peut pas assumer ce que papa fait. Alors, nous voilà revenus. Tu vois, si tu peux jouer sous la flotte, toi aussi. Vas-y, va jouer sous la flotte. Tout le monde va jouer sous la flotte. Petit mot pour certains CC comme Adélie qui vient d'avoir cette... voilà, il y a quelques petites tenues qui vont arriver. On m'a donné le site, en fait, un site qui a pas mal de CC qui pourrait être intéressant pour le challenge. Et j'ai ajouté ce site dans la vidéo des CC. Vous regardez dans le commentaire épinglé, vous aurez tout en bas un lien qui dira d'autres CC via ce site. En tout cas, voilà. Alors, pour en revenir à notre tout ce qu'on a gagné aujourd'hui comme argent, on est parti au marché, on n'avait que 592 simflouz, et maintenant on en est quand même à 1962. Ce fut une journée absolument incroyable au marché, on va pas se plaindre. Donc 1962 simflouz moins 592, on a donc gagné 1370 simflouz au marché, auquel bien sûr on va retirer comme d'habitude les 45% du haut seigneur. Cela fait donc un montant à payer au seigneur de 616 simflouz, avec qu'il nous reste 1346 simflouz. C'est énorme, ça reste gigantesque. C'est franchement, la journée au marché, elle était incroyable. Pendant que tout le monde est parti se coucher, en même temps il est 5h du matin, Eulalie elle va se baigner, mais tu vas être couchée ma cocotte. Non mais pas dans le buisson, réfléchis un peu, tu vas dormir dans ton lit. Et puis, on va dire au revoir à tout le monde. D'ailleurs, il est où, lui? Non, non, mais mon petit, tu vas te coucher aussi, là, allez. Certes, t'es pas beaucoup fatigué, mais samedi, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, pendant que les derniers enfants vont se coucher, moi, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cet épisode et ma chaîne pour me faire connaître, et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous fais très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'Ordre Challenge. Ciao.